Les gars, c'est Slap, on se retrouve sur Assassin's Creed Valhalla, les gars, pour des astuces en vrac. Et je peux te jurer, mec, jurer, je sais pas, mais je peux te dire qu'il y en a une que tu connais pas, c'est sûr. Et si on a pas une que tu connais pas, tout à bon. Les gars, les dégâts de chute avant la mise à jour 1.04, tout le monde a annulé ses dégâts de chute en faisant une attaque lourde. C'est terminé, les gars, c'est terminé. Mais je suis un petit malin, j'ai trouvé une nouvelle technique, les gars. Tout simplement, appuyer sur Start avant l'impact. Et voilà, c'est bon, tu peux t'abonner. C'est un peu chiant, je vous conseille de prendre Brise-Chute quand même dans la voie du corbeau. Les gars, on peut avoir un loup, un chat et un renard dans son camp. Je vous montre comment. Les gars, le renard, c'est au sud de votre camp. Il va falloir tout simplement faire une petite quête, sauver un renard d'une maison en flammes et il va pouvoir venir dans votre camp. Le loup blanc, les gars, c'est pareil, il faut faire une quête. C'est un petit garçon qui veut vous parler dans la maison longue, dans votre maison longue. Et tout simplement, vous faites la quête et vous allez pouvoir déjà avoir une aptitude qui vous permet d'utiliser ce loup en combat. C'est pas mal vraiment pour interrompre les boss qui se soignent ou font une capacité. Vous les arrêtez avec le loup, c'est vachement fort. Les gars, pour le chat blanc, c'est tout simple, il faut aller en Estanglie. Pareil, une quête les gars, dans la plus grande ville. Vous finissez la quête et vous avez un chat blanc dans votre dracar. Avec le corbeau, si vous jouez avec le joystick gauche, vous faites des tours comme ça, vous pouvez faire des roulades en l'air. Beaucoup de gens demandent les gars pour le minerai de fer et le cuir. Il y a des techniques de farm qui sont pas très efficaces les gars. Franchement, la meilleure manière c'est d'en acheter au marchand et de tout simplement augmenter de niveau les gars. Vous augmentez d'un niveau en faisant une quête n'importe laquelle, une quête principale je vous conseille. Et vous revenez au marchand, vous pouvez racheter 200 de minerai de fer, 200 de cuir. Et franchement, si vous faites 2 heures de quête principale et à chaque fois que vous montez de niveau, vous allez voir un marchand. Vous avez du cuir et du minerai fer en masse, les gars. Assassiner les mannequins de votre camp, les gars, ça vous redonne une barre d'adrénaline directe. Si vous donnez les 52 masques romains à votre camp, au type qui s'occupe du musée, vous allez avoir le bouclier Gorgone. Les gars, vous pouvez récupérer tous les objets de la boutique contre des opales à la boutique de Reda. Il suffit de faire ses contrats. A chaque fois que vous commencez le jeu, les gars, je vous conseille de commencer le festin. C'est la cloche qui est à l'entrée de votre maison longue pour avoir tous ces bonus pendant 3 heures dans la vie réelle. Flèche de gauche sur la manette, les gars, ça vous permet d'appeler votre cheval. Et si vous continuez de maintenir la touche, ça vous fait monter dessus direct. Vous pouvez récupérer le minerai de fer, les gars, sans descendre de votre cheval. Vous avez juste à foncer dedans et à récupérer. Avant la mise à jour 1.04, les gars, on pouvait détruire les verrous de l'extérieur, c'est-à-dire du mauvais côté, avec deux haches à deux mains. C'est plus possible, mais avec un saut de Valkyrie, c'est possible. Et le saut de Valkyrie, pas besoin d'avoir les deux haches. Si vous avez plus de flèches, les gars, pendant une énigme, vous utilisez votre torche pour détruire les éléments du décor. Les gars, je vais passer vite fait maintenant sur les meilleures armes de chaque type, où les trouver, presque toutes les armes. Les meilleures compétences, les gars, c'est bien entendu assassinat avancé, assassinat enchaîné et trompe la mort dans la voie du corbeau. Dans la voie de l'ours, les gars, c'est doublé d'armes lourdes et piétinement. Et voie du loup, attaque de sprint, soin de la dernière chance et cran. Bien entendu, les points d'adrénaline, c'est extrêmement important aussi. Pour moi, les meilleures aptitudes au corps à corps, les gars, c'est piqué de Valkyrie, le harpon et la rage des lames contre les boss. Et les aptitudes à distance, les gars, bien sûr, poudre incendiaire pour éclater tous les murs durant les énigmes, pas obligé de prendre des jarres explosives. Concentration des dormir pour elle, pour moi c'est la meilleure des aptitudes pratiquement. Les gars, si vous avez appris quelque chose, un petit like, un petit abonnement, ça m'aide beaucoup. Et surtout les gars, partagez vos astuces dans les commentaires, on veut tout savoir. On s'attrape ma couille.